on est obligé de rendre hommage à une équipe d'agriculteurs passionnés de Saint-Denis-de-Cabanes, qui, il y a maintenant 20 ans pratiquement, ont lancé l'idée de cette fête entre les deux cantons pour mettre en avant l'agriculture de nos deux cantons, et notamment à travers cette fête, en faire une vitrine. Donc cette fête se déroule en alternance tous les deux ans sur le canton de Belmont et le canton de Charlieu. On y retrouve un thème différent chaque fois. Donc on a eu le pain, la moisson, les attelages, le bois, pommes de terre. J'en oublie certainement, mais et cette année, donc les énergies renouvelables, un thème qui est d'actualité et certainement pour le grand public également. Parce que je pense qu'on est tous confrontés aux coûts plus en plus excessifs des carburants en général pour chauffer, mais aussi pour travailler sur nos exploitations. Donc on a souhaité se pencher cette année là-dessus avec les nouvelles énergies, le solaire, le bois qui est quand même un chauffage bien présent dans nos régions et bien présent en plus sur nos exploitations. Nous avons une très bonne équipe qui participe. Nous avons préparé la fête voilà pratiquement une année où nous avons fait des réunions avec le soutien de la Chambre d'agriculture, notamment de Daniel Bezin. Et nous sommes une vingtaine à nous retrouver régulièrement. Et c'est vrai qu'on a une très bonne équipe où nous entendons très bien. Nous avons préparé aussi sur le site là avec 25, 30, 40 personnes qui viennent spontanément, qui appellent les responsables pour dire je suis prêt à donner un coup de main. Et c'est vrai qu'on l'apprécie particulièrement. J'aimerais leur rendre hommage bien sûr à toutes et à tous. Je pense que la convivialité qui existe au sein de l'équipe se retraduit, je pense, dans la fête et c'est ce qu'on veut et je pense peut ressortir assez très bien. Ça va accumuler de l'énergie là, avec le soleil. Après tu vas l'utiliser et puis au bout d'un moment celle-là. Bah après c'est pour capter. C'est comme une radio, hein. On capte les stations et puis on règle le son. Oui, elles sont plus grandes mais elles consomment peu. Alors, c'est vrai que dans le magasin, quand vous regarderez les prix, entre celle-là et celle-là, celles-là, elles sont un tout petit peu plus chères. Mais, vous faites des économies. Donc, vous faites des économies sur l'électricité consommée. Donc, finalement, ça revient moins cher. Et en plus de ça, celles-là, elles ont une durée de vie de 1000 heures. 1000 heures. Tandis que celles-là, elles ont une durée de vie de 6000 à 8000 heures. Descendre à la chaudière et il y a 2 mètres d'écart. Donc là on a un stockage d'environ 120 mètres cubes. Comme ça. Ouais. Vous remplissez le silo 2 fois par hiver à peu près là. Ouais, mais quand on le remplit, il n'est pas vide. Donc ça se met en route quand la chaudière demande, hein, ouais, une alimentation. Ouais.
on a tout un système de régulation de température. Ouais. Vous pouvez mettre la chandelle après, les tuyaux plus loin. Pourquoi cette installation? Quels sont les objectifs que vous avez essayé de remplir pour installer une telle organisation, quoi, voilà. Objectif, avoir toujours la même température dans une maison avec un approvisionnement en bois, c'est-à-dire un chauffage régulier sans avoir à mettre des bûches sans arrêt dans la chaudière ou dans la cheminée. Combien de mètres cubes ou de tonnes de bois par an? Ça, je vais plutôt demander... aux hommes. Alors, on compte à peu près 150 à 180 mètres cubes de plaquettes faites. On pense l'eau. Pour combien de radiateurs? Il y en a une vingtaine. Pour 2 x 160 mètres carrés. Voilà, 2 x 160 mètres carrés. Ouais. Et puis l'autre question, le coût de l'installation? On a payé 32 000 euros. On avait il y a 2 ans une aide de 40%. Et puis le reste, on a financé nous-mêmes, quoi. Mais divisé par 2 puisqu'on alimente 2 maisons. Donc au départ, donc, c'est Claude qui fait le bois, hein, les grumes. Ouais, nous, alors, explique-nous comment tu fais là. Comment ça... Ben, on prend les éclaircies qu'ils nous donnent à faire. Et on les amène à la maison, on les fait broyer. Voilà. Donc le bois est gratuit pour vous? Le bois est gratuit. Vous pensez que quelqu'un qui achèterait son bois, si quelqu'un achetait son bois, ce sera aussi rentable? Ben, il faut mieux les acheter en Syrie que... En Syrie, je crois que c'est encore plus rentable que nous. Quand on compte le temps qu'on y passe, tout. Ok. Fête de l'agriculture 2006, mesdames et messieurs, avec dans quelques secondes une démonstration des produits Yenigav et notamment sur un combiné, le combiné qui vous permet de scier le bois, de fendre le bois et de le charger directement dans vos remorques.
Votre profession a compris qu'elle a un rôle important à jouer. Certaines cultures sont déjà utilisées comme énergie et leur développement permettra de nouveaux débouchés pour notre agriculture. Notre région, fortement boisée, devrait saisir l'opportunité et développer l'exploitation du bois pour le chauffage. Par cette manifestation, vous nous montrez votre savoir-faire, votre dynamisme et votre confiance en l'avenir. Je salue aussi toutes les personnes et tous les exposants qui ont bien voulu honorer de par leur présence cette journée de fête de l'agriculture, montrant ainsi tout leur attachement à nos cantons et à tout leur intérêt à cette manifestation. Je souhaite remercier Monsieur le Président et de tous ses collaborateurs, les bénévoles, qui ont œuvré pour la réussite de cette fête. Il en est ainsi des moments privilégiés où, tout en saluant le passé, les hommes et les femmes de nos campagnes d'aujourd'hui font preuve d'un réel dynamisme et de leur volonté d'aller de l'avant. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs des cantons de Charlieu et Belmont pour l'importante somme de travail qu'ils ont fournie depuis quelques mois à la préparation de la fête de l'agriculture. Mais nous connaissons la solidarité du monde agricole. Une fois de plus, aujourd'hui, nos agriculteurs l'ont démontré. Et pour terminer, espérons que tout ce que l'on a pu découvrir aujourd'hui lors de notre visite ait donné l'envie à de nombreux visiteurs de réfléchir à ce que sera leur chauffage de demain. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la députée. On a imaginé. À l'occasion de cette fête, nous avions invité les producteurs fermiers des deux cantons, les producteurs de fromage, de confiture, charcuterie fermière. Nous avons aussi un producteur de miel. Donc le petit fromage de qualitif. Là c'est du mélangé du fromage. Alors n'hésitez pas à tenter le petit à l'occurrence, vous êtes installé depuis quelques mois ici sur la commune de Chambon. Le miel du printemps, le miel de fleur, le miel de montagne, le miel d'acacia. Les pastilles de miel. Le miel de fleur. Voilà, notre producteur de miel. Nous attend à Arsan. Voilà, donc à l'occasion de cette fête de Belmont, nous découvrons la mini-ferme, qui est un petit peu l'exposition, la vitrine des élevages du secteur, du canton. Donc nous trouvons les races à viande, les races laitières, en bovin, moutons, chèvres bien entendu, lapins, volailles, etc. Cette mini-ferme fait le bonheur des enfants le jour de la fête.
Alors, est-ce que vous avez un peu mieux compris le principe de la presse? Vous voulez qu'on vous explique un peu? Ouais, ça serait mieux, regardez, on a aussi des spécialistes, ils vont vous expliquer. Alors messieurs, comment ça marche, votre presse à colza? Si on laisse tourner la machine 24 heures sur 24, on fait 400 litres d'huile par jour. Ah oui. Et un hectare, ça donne combien de litres d'huile? Grosso modo, un bon 1000 litres. Si vous faites 30 quintaux, Avec 1000 litres d'huile, ça remplace combien de litres de gasoil? 1000 litres. Un pour un? Oui, un pour un. Alors il y a les mêmes, grosso modo, les mêmes puissances absorbées, la même consommation. Au niveau législatif, quelle est la loi? Vous avez le droit sans problème? Niveau matériel agricole, on a le droit, oui. C'est autorisé. Et en particulier, il ne faudrait pas mettre dans sa voiture, vous ne savez pas? Oh ben, non, théoriquement, non. Ouais, ouais, c'est pareil, non. Caractéristiques de la machine? C'est un déchiqueteur à tambour qui absorbe des bois de 35 à 37 cm de diamètre sur des longueurs à l'infini, ébranché ou pas ébranché, qui a un rendement de, on va dire, minimum de 10 mètres cubes heure jusqu'à 30 mètres cubes heure selon les qualités des bois et l'organisation du chantier. Cette machine, elle vaut environ 400 000 francs avec sa grue, 420 000. Il faut un tracteur minimum de 120 chevaux pour l'entraîner, c'est le minimum, pour aller jusqu'à 180 chevaux. Elle a l'avantage d'être sur roue tractée par un agricole, d'aller en forêt, sur la piste forestière. Et le rendement à l'heure, le nombre de mètres cubes à l'heure? Mètres cubes heure? 30 mètres cubes. 30 mètres cubes à l'heure. On est d'accord. Dans le maxi. Hein. D'accord. On peut descendre à 10 mètres cubes si on broie des petites saloperies le long des chemins, des petites branches. Et disons une habitation qui est à 150 mètres carrés, combien il faut de mètres cubes de plaquettes pour la chauffer? 40-50, ça dépend de l'altitude. Ça veut dire qu'en une heure et demie, de prestation, ouais, le gars il a ses plaquettes pour se chauffer toute l'année. Exact. À condition d'avoir du bois quand même un peu de qualité. Si on travaille avec les petites branches d'en face, on va chuter de moitié, on va augmenter le double de temps de passer. D'accord. On aurait pu passer tout de suite en bio, mais on n'avait pas d'année de conversion. Mais le principe de payer tant à l'hectare pour travailler proprement, ça n'allait pas avec notre philosophie. Mais bon, vous avez une promotion. Monsieur Beaupertuis, président de la Défaubel, association forestière des cantons de Belmont et Charlieu. Donc nous contactons les propriétaires pour faire des éclaircies, des plantations, et tout ce qui concerne un peu la forêt en amont. Oui, on a eu beaucoup de personnes et tout, parce que où on est placé, les personnes passent dans les deux sens. Se renseigne un petit peu sur tout, principalement sur la randonnée, vu qu'on est un pays de randonnée pédestre, mais aussi sur tout ce qu'il y a à visiter dans la région. Donc on a installé deux tables, une table qui concerne le canton de Belmont et une table qui concerne le Rouennais et la Loire. Amen. Amen, dis Amen.
Alors, je ne travaille pas sur les oies tout le temps, je travaille sur les oies juste le dimanche. C'est parce que les oies se tiennent comme les moutons en paquet et qu'on voit bien travailler le chien sur les oies. Loin. Bien, 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 bien. Couché, top, couche. Couché, couche. Bien droite, bien. Bien droite, bien droite. Gauche, gauche, gauche. Gauche, bien gauche, bien gauche. Lève-la, bien gauche. Bien gauche, bien gauche. Oh, oh. Bien gauche. 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 Alors le chien doit rentrer dans le parc et sortir les bêtes. Parce que quelquefois c'est difficile de faire sortir les bêtes. Alors là, vous allez voir, le chien va rentrer et on va lui demander de sortir les bêtes. Bonne. Bien, bien, bien. Gauche. Amen. Tac. Allez, les autres. Gauche devant. Gauche devant. Écarte à droite. Écarte à droite. Droite, droite. Derrière. Derrière. Hop, hop. Recule. Bien gauche, bien gauche, bien gauche. Hop, bien gauche, bien gauche. Hop. Gauche, gauche, derrière, derrière. Tac. Allez, fais passer, fais passer. Doucement. Amen. Oui, oui. Recule, recule. Hop, couche, couche. Merci. On attend chez toi. Oh, il y a une barrière. Alors, quelle année elles sont, ces calèches? 1920. 1920, oui. Enfin, restauré à la fin de la guerre. C'est vous qui les restaurez? Ah ben, les roues, non, c'est un charron. La partie sellerie. Moi, j'ai refait les sièges, tout restauré, la tapisserie. Ouais. Et puis la peinture. Et c'est une calèche de famille? Non, c'est une calèche que j'ai trouvée dans une... un gars qui avait ça dans son garage et puis il voulait débarrasser. Et elle a encore sa plaque devant. Comment c'est marqué sur la plaque là devant? Jean Velu. Hein? Jean Velu. Boulanger à la Chapelle Soudain. Ah. Votre jument, elle a quel âge? 6 ans. Comment elle s'appelle? Lune de Chartres. Bonne idée. Pour votre superbe exposition. Ben merci. C'est pour les organisateurs, là. Ceux qui passent beaucoup de temps. Qui amène du cheptel. Parce que c'est pas évident d'être organisateur et d'amener des vaches en même temps. Donc, on en découle, là. Bon, moi je crois que la fête est une réussite. Hein. On a eu hier soir un beau spectacle avec un bon repas et une bonne participation. Et puis aujourd'hui, je crois que ça fait aucun doute, vu le monde qu'il y a. Et
avec le temps merveilleux qu'il y a, et je crois que tout le monde peut être satisfait. On n'en a que de bons échos. Vous étiez bien occupé, vous, quand même. Hein. Ça passe très vite, une journée comme ça. C'est vrai hein. Qu'est-ce que vous avez fait? On a bien occupé. Servi quelques repas. Vaisselle. On vous a même pas vu. Non. Vaisselle. Vous travaillez dans l'ombre? On passe incognito. Les torchons et... Vous regrettez? Non, pas du tout. Non. On est prêts à refaire dans 4 ans. Ah, voilà, hein, c'est une bonne nouvelle. Ça. Ouais. Donc dites-moi, vos impressions sur l'ensemble de la fête? C'est une fête qui est très bien réussie. Très bien organisée d'ailleurs. Très bien réussie. Tout ce qui vous a intéressé? Ouais, voilà. Tout. Les chaudières, très bien. Les chaudières à bois, les nouvelles chaudières solaires, tout. Moi, c'était plus ici, là, sur l'énergie, et puis surtout sur la récupération de l'eau, votre puits, parce que c'est important maintenant. Ça aurait été bien, oui, que quand on a mis le fioul, ça aurait été bien qu'on mette une chaudière à bois, effectivement, oui. Vous avez eu l'information trop tard. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a intéressé? Oh, tout. C'est-à-dire, nous, on est vieux. C'est-à-dire, tout nous intéresse. Tout nous intéresse, parce qu'on s'en on était dans la culture, alors on pensait quand on a... Quand on voit les machines. Nouveaux trucs, c'était le temps qu'on y laisse. Nous. Vous avez passé une bonne journée? Oh, bien, 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 excellent. Avec un peu de recul, on peut remarquer quand même que les visiteurs donc, sont preneurs de ce genre de manifestation, hein, où la ruralité, la convivialité sont présentes. Et je pense que mon souhait le plus cher est que... Dans 2 ans, on se retrouve sur le canton de Charlieu pour faire encore mieux. Voilà. Thank you.